Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild, et j'ai failli faire tomber mon Joy-Con. Alors... ah oui, c'est vrai, nous sommes dans la base des... Je sais plus comment il s'appelle, Higas. Salut, ah bah toi t'es la fille que je sois à la brique. Hein, qu'est-ce que tu fais ici? Ça rappelle les bandits qui ont volé le masque du tonnel, tu sais. S'ils te trouvent, ils appelleront leurs camarades, et là, c'est sur la fin de toi. Seulement, il y avait un moyen de les distraire. Mais tout ce qu'ils font, c'est patrouiller en mangeant les bananes. Quoi qu'il en soit, c'est tôt dans le jeu. Ici, alors, enfuis-toi, je te trouverai bien un moyen de m'en sortir toute seule. Ah, ils aiment bien les bananes, tu dis. Eh hey. Ah ouais. Et genre, je peux prendre des bananes et les jeter, pensez? Genre j'en pose là. Et il fait juste sa ronde. Bon, mais j'ai une icône sur la map, c'est quoi? Remplir des gaz, ok, c'est juste ça. Allez, bouge ton cul. Je peux pas le niquer au pire. Non, je pense qu'ils veulent vraiment qu'on se la fasse à... Quoi? Il m'a vu! Ah! Tiens! Tiens, Master Sword! Oui. Master Sword! Oui. Master Sword! Tiens! Master Sword! Tiens! Voilà! Aïe! Et c'est bon. Bon, il est là. Master Sword. Ouais. Pas au foot, tu croyais pouvoir te jouer contre nous? J'ai pas eu le temps de lire. Bon bah. Ça fait c'est plus discret cette fois-ci. Ah, il a vu les bananes. Si, c'est trop bien. Bon, alors comment faire pour lui? Non, tu m'as pas vu. C'est faux. Hop, regarde. Merde. Ils sont passés où? Voilà. Bon. Allez, on va essayer de prendre le coffre, ça peut toujours être intéressant. L'échelle d'abord. Non, lâche. Il y a d'ailleurs personne, il y a plein de bananes. La réserve de bananes. Et là, il y a encore des bananes. Un topaz, ok. C'est vrai, Link, là? Ah ouais. Allez, mais monte! Putain, mais t'as déjà monté des trucs plus penchés que ça? C'est pas chier.
Bon, où est-ce que je pourrais atterrir sans... Là, maintenant. Non, tu m'as pas vu. Tu es un menteur. J'ai dit t'es un menteur! Tiens, 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 tiens! Tiens, Master Sword! Tiens! T'es qui toi? Qu'est-ce que tu fiches ici? C'est là où je fais ma sieste, à l'heure du vent. Hein? Ce truc accroché à ta ceinture, ne me dis pas que c'est la tablette Cheika. C'est bien elle, hein? Ah là, mais alors dans ce cas, c'est toi Link, le Ménus qu'on cherche partout. Ouh, quelle veine! Notre preuve est venue se jeter dans la gueule du loup, mais quel abruti tu fais! Oh mais attends, quel manque de savoir-vivre, je ne suis même pas présenté. Je suis le chef suprême du gang des Yas. Ah merde, le beau, le puissant, le seul et l'unique. Le grand Koga. Prépare-toi à mourir. Putain, c'est le chef des Yas. What the... Qu'est-ce qu'il fait? Tiens. Oh. Ça, c'est drôle. Tiens. Attends, j'ai pas une meilleure épée? Si, j'ai ça. Ça va être facile en fait, il est trop nul. Ah. Ah oui, faut déjà attendre qu'il se passe au-dessus, ok. Moi j'étais un peu du foutage de gueule parce que dans le dernier épisode je suis venu ici hein. Tiens.
Ouais, je te mets la fessée de ta vie. Tiens. Ah, troisième phase. C'est le problème, c'est qu'il y a trois phases, non? Ah. Eh, plus t'invoques des boules grosses, plus elles vont te faire mal, c'est tout, hein. Ah ouais. Quoi, faut que je m'amuse aussi, moi. Tiens. Ouais, t'avais pas prévu ça, hein. Tiens. C'est impossible que tu arrives à me tenir tête. T'es qu'un minus. Tu crois que je vais te laisser passer un tel affront, putain. Ouais, faut pas que je laisse ma colère prendre le dessus. Tu me tapes vraiment sur le système. Il est pas question que tu continues de m'humilier comme ça. J'ai une idée. Ok. Les choses sérieuses ont commencé. Tu m'obliges à utiliser l'arcane secrète de mon clan. Tu vas payer. J'aurai ta peau. On s'en fout, ça. Voilà, oh, t'as jamais vu un truc aussi énorme, t'as vrai? Je te vois même plus. Peu importe. Puisque tu vas disparaître, seul le chef du clan peut utiliser cet arcane suprême. Lâche-la, je m'en souviendrai. Le petit jeune, je vous confie l'avenir de notre clan. Ok. Ce mec était quand même chelou, hein. Yeah, masque du tonnerre. Coup que je retourne à la maison. Enfin à la maison. Chez les Gerudo. Du coup, il faut que je me dise un fille, sinon ça va pas le faire. Non, c'est pas ça, c'est ça. Hop là. Ajo se trouve à l'étage, tu es autorisé à entrer dans sa chambre. Mais je ne comprends pas ce qui lui passe par la tête. Alors écoute-moi bien, Norton. Si jamais il lui arrive quelque chose, je te le ferai payer au prix fort, c'est bien compris? Ok. Je t'attendais. Hé, hey, mais y'a rien, je sais déjà tout. En tant que chef des Gerudo, je suis capable de sentir la présence de notre relique sans pouvoir émaner de toi. Comme tu l'as bien évidemment remarqué, je suis encore une enfant. Mon peuple me regarde toujours avec bienveillance, mais c'est parfois difficile à supporter. Je fais tout mon possible pour qu'il me considère comme une véritable chef. Mais le jour où la relique a été volée, la honte et le désespoir se sont emparés de moi. C'est alors que tu es apparu. C'est sûrement Uboros le grand qui a guidé tes pas. Uborsa la grande plutôt, pas du tout. Bien, donne-moi le masque. Il me va bien?
Te voilà. Tu as fait drôlement vite. Tu n'es pas son chevalier servant pour rien. En tout cas, je te remercie de t'être déplacé. Elle a encore passé la journée entière sur les reliques. Pas étonnant qu'elle soit épuisée. Et sinon, comment ça se passe? Vous vous entendez mieux tous les deux maintenant? Je vois. Essaie quand même de ne pas lui en vouloir. C'est dur pour elle. Chaque fois que ses yeux se posent sur ton épée, elle a le cœur qui se serre. Elle ne cesse de se répéter qu'elle est la honte de la famille royale. Non pas que ce soit ta faute, évidemment. Mais tu sais, ça fait si longtemps qu'elle travaille dur. Elle n'a jamais ménagé ses efforts. Depuis son plus jeune âge, elle passe de longues heures à méditer dans l'eau glacée des sources. Elle en est sortie plus d'une fois transie de froid. Ou encore grelottante de fièvre. Malgré ça, son pouvoir ne s'est jamais manifesté. Alors elle se consacre à ce qu'elle sait faire. L'étude des anciennes reliques. Crois-moi, c'est une fille bien. Protège-la. Elle le mérite. Et puis c'est ton rôle. Il commence à faire frais. Je devrais peut-être la réveiller. Ah. Urbosa, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Alors, les souvenirs sont de plus en plus intéressants. Là, de ce souvenir-là, on en a appris beaucoup sur la princesse Zelda. On a vu que pour une fois, elle travaille beaucoup de son côté par rapport aux autres jeux où elle glandait quasiment rien, où elle se faisait juste kidnapper, puis c'était tout. Non, là, on voit qu'elle. Pardon. On voit qu'elle avait vraiment tous ses efforts. Ça fait plaisir de voir une princesse Zelda qui travaille vraiment pour une fois. Et du coup, on a vu la sympathie qu'a Urbosa pour Zelda et Link, et aussi que apparemment Link et Zelda s'engueulent de temps à autre. C'est bien, c'est dingue, c'est sympa, ça rajoute des rapports réels humains, et c'est vachement intéressant. Et donc, elle a dit que Zelda s'en voulait à chaque fois qu'elle posait ses yeux sur la lame purificatrice. Alors, comme quoi, elle se sentait transidérante. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça serait plus ou moins à cause d'elle que la lame était cassée quand on l'a vu la remettre devant l'arme à Mojo? Je ne sais pas. Sans doute, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Bon, peu importe. Dis-moi plutôt s'il me va bien. Oui, il te va bien. Ah oui? Madame Maurice ne patrouille plus au même endroit depuis que nous avons commencé à chercher la relique. Bien, elle menace notre cité. Bientôt, elle menace notre cité, pardon. En tant que chef, en tant que Gyarados, il est mon devoir de l'arrêter, quoi qu'il m'en coûte. Viendras-tu avec moi? Ouais. Et comme c'est étrange, nous en deux au devant d'un grand danger. Pourtant, ces simples mots suffisent à me rassurer. Je pars demain, retrouvons-nous au poste d'observation qui se trouve au sud-est de la ville. Nous ne pourrons pas approcher de Naboris sans moins d'y aller avec un morse de sable. Le poste d'observation n'est pas très loin de la cité, mais je te conseille de t'y rendre avec un morse pour t'y habituer. Moi et Madame Patricia, mon morse de sable préféré, nous t'attendrons. Quand même, elle est vraiment gigantesque. Bon. Alors. Ouais, je dois aller jusque là-bas, mais il faut que je prenne un morse de sable quand même avant. Parce que à pied, ça risque d'être chiant.
Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour du coup aller se farcir ce chameau, j'ai envie de dire. Allez, bye bye tout le monde.